Yo, yo, yo! Salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après de 3 mois d'absence sur cette chaîne YouTube. Alors que mes abonnés augmentent, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade quoi. Je peux pas vous faire ça, je me suis dit, faut que je continue mes vidéos. Et c'est aujourd'hui, enfin, que je reprends les vidéos, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent plus de 3 mois. Ça va faire 4 mois, je pense. Ouais, que le temps passe vite. Ça va faire 4 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est parti. Je vous explique. Tant d'absence sur cette chaîne YouTube, comme j'ai dit, après 4 mois d'absence, quoi. Pour la simple et bonne raison que, il faut savoir que j'ai précisé sur cette chaîne YouTube, bon, malheureusement, quand je débutais la chaîne YouTube, j'avais pas ce problème-là. Aujourd'hui, ce qui se pose comme problème, c'est que j'ai des problèmes de santé. Alors, les problèmes de santé, c'est beaucoup de ferritine dans mon sang, et c'est ce qui me permet de... Bah, c'est en fait, ça me fait dormir, quoi, tu vois. Et du coup, bah, je dors tout le temps, et puis, bah, c'est pas facile pour moi, parce que ça me donne pas envie de faire des vidéos, ça me donne pas envie de sortir, ça me donne pas envie de faire certaines choses, sauf que, à des rendez-vous que je suis obligé d'y aller... Merci le Parisien. Sinon, qu'est-ce que j'en étais? Oui, donc, je disais que le problème, ce qui se pose, c'est que pour mes rendez-vous, je suis obligé d'y aller, donc j'y vais. Mais pour faire les vidéos, forcément, bah, j'ai pas la force d'en faire. Et surtout aussi de sortir. Alors, ce que j'ai, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas soigner ce que j'ai. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de traitement, malheureusement. La seule façon de me soigner, c'est de faire des saignées. Voilà. Donc, de prendre mon sang ou je sais pas. Et moi, je ne veux pas le faire parce que tout simplement, ça me fait chier. Puis le médecin, il m'a pas encore dit de le faire. Donc, concrètement, je vais pas le faire. Aujourd'hui, je vais un petit peu mieux par rapport à ça parce que bon, c'est vrai que j'ai pas le droit de trop manger, trop de faire, tout ça, tout ce qui est, on va dire, lentilles, tout ce qui est épinards, enfin, tout ce qui va avec. Et ça m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup les légumes, hein, les légumes verts, j'adore ça. Donc, je peux pas en manger aujourd'hui. Voilà. Et la viande aussi, c'est pareil, forcément, ça c'est banni. Voilà. Donc, pour la deuxième raison, bah, la deuxième raison, c'est aussi ça, hein, c'est parce que j'avais pas envie d'en faire du tout, en fait. J'avais pas la tête à en faire, et j'avais pas envie de chercher, en fait, de savoir ce que je vais faire, parce que bon, c'est vrai que des fois le moral est à zéro, hein, je vais pas le mentir. Et donc, à ce moment-là, je raccroche tout, j'abandonne tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo pour vous annoncer pourquoi j'ai eu tant d'absence sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, maintenant vous le savez, vous avez dû le savoir avant aussi, j'en avais un peu parlé. Mais aujourd'hui ça devrait reprendre tout doucement, malgré que j'ai eu beaucoup, excusez-moi, beaucoup de temps d'attente sur cette chaîne YouTube. Alors il y en a, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont dit « Mister Ibos, pourquoi t'es parti? Pourquoi tu fais plus de vidéos? On ne voit plus sur YouTube ?» Bah, je suis désolé les amis, mais... on a un problème de santé, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà, concrètement, c'est ça. Vous avez été nombreux aussi à me poser des questions sur les commentaires des appareils. Vous avez demandé à faire que je fasse des vidéos sur certaines choses. Alors, je vais essayer de le faire, hein, comme il y en a un qui m'a demandé comment j'ai fait mes démarches de mon permis de conduire. Alors, j'expliquerai en vidéo bientôt. Je ferai aussi une vidéo, il y a beaucoup de... Parce que je lis aussi, c'est pas parce que je suis plus sur YouTube que je ne suis plus du tout. Parce que je lis vos commentaires. Et c'est ça qui m'aide aussi à avancer. Parce que, bon, moi, sur cette chaîne YouTube, ce que j'aide, c'est les gens, quoi. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires comme ça, en fait. Et du coup, il y a aussi la question sur le GPS. Alors, le GPS, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un problème au niveau du GPS parce qu'ils n'arrivaient pas à faire certaines choses. Alors, je ferai une vidéo sur ça. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi sur la tablette Asus. Alors, il y avait eu beaucoup de questions. Donc, je répondrai à toutes vos questions en faisant des vidéos. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Après, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me faire rappeler dans les commentaires parce que je vous rappelle, vous avez été nombreux quand même à me poser certaines questions et c'est tout à fait normal. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous concrètement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un peu changé de décor. Je suis dans la salle de bain parce que j'adore le fond blanc juste derrière moi, quoi, ça rend fou.
Donc aujourd'hui, je suis de retour sur cette chaîne YouTube. Je vais faire un petit. Bon, je dis pas, je vais faire une vidéo peut-être maximum une fois par semaine. On va commencer comme ça, hein. On va pas faire une vidéo tous les jours, hein. Ça va pas être possible pour moi avec le problème de santé, tout ça, voilà. Puis en ce moment, j'ai des rendez-vous, donc c'est pas facile. Donc voilà, donc si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux, je suis toujours présent. Mon Snap n'a pas changé, rien n'a changé. Et si vous voulez poser des questions en bas de la vidéo, les commentaires sont là pour ça. Je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui on est bientôt 150 abonnés sur la chaîne YouTube, malgré que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est ça qui m'a motivé à en refaire. Et franchement, merci les amis. C'est grâce à vous, encore une fois, je vais le redire 2-3 fois. C'est grâce à vous que je suis là. Je le reconnais aujourd'hui, bordel. Sinon, les amis, bah, je vais vous laisser. C'était pour faire une petite vidéo comme ça, assez rapide. Enfin, assez rapide, hein. Elle dure quand même un peu plus de 5 minutes, quoi. Mais voilà, c'était vraiment important ce que j'avais à vous dire. Les vidéos que je fais ne changent pas, hein. Donc, concrètement, ça ne change pas. Je ne fais pas de coupure à chaque fois que je parle. Je fais simple. Je fais le montage vidéo, bien évidemment. J'injecte des introductions, tout ça, parce que c'est sympa. Mais sinon, je coupe pas comme les grands youtubeurs qui coupent leur vidéo à chaque phrase. Je suis pas du tout ce style-là. J'aime bien aller dans la simplicité. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, en tout cas. Enfin, une bonne fin de journée, parce que bon, là, on est fin d'après-midi. Et puis, je vais vous dire à très vite cette fois, hein. On verra ce qu'on va faire comme vidéo, hein, on va un peu en parler. Surtout, si vous voulez que je fasse une vidéo, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui... On va faire quelque chose. Celui qui me dit quelle vidéo qu'il veut que je fasse, c'est le premier qui va le dire, c'est celui qui aura la vidéo en premier. Voilà. Ça veut dire si, par exemple, vas-y, il y a quelqu'un qui va me dire... Fais là une vidéo, explique sur le GPS. Et ben, la priorité, ça sera la personne la première qui l'ait dit. Donc, je ferai une vidéo sur le GPS. Parce que vous avez beaucoup de questions à propos de ce petit gadget, quoi, ce petit GPS. Donc, les amis, encore une fois, je le répète encore une fois, bonne journée, bonne fin de journée à vous. Et je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Et ça me fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et refaire un peu de vidéos sur cette chaîne YouTube. Allez, les amis. Ciao.